Roquebrune sur Argence s'est dotée d'une très belle piste de descente VTT qui accueillait une étape de Coupe du Monde du X-Pro Tour. Un aperçu du matériel des concurrents et place aux qualifications. Le français Castagne, il est en deuxième place, l'italien en troisième place, il est derrière. Je crois que en première place, nous avons Au ralenti, on apprécie mieux les attitudes des concurrents. Voilà, je pense que rien n'est joué encore. La première place, elle a quand même bien pour le Slovaque. Yes, le Slovaque a pris la première place, la deuxième place pour le Français, pour James. Et third place pour Robert from Great Britain. Oh là là, le passe. Et oui, l'anglais Robert will finish. C'est la française qui est sans doute en première position. Attention, ça va être un peu plus pour le public. On va voir une fois. Et les voici venus encourager les finalistes hommes. Super la finale. Voilà, la finale est partie, on n'avait pas été prévu, on va voir. La fin de la finale au ralenti. Super la finale. Et encore un grand bravo à ces virtuoses de la piste. L'adrénaline était au rendez-vous à Roquebrune.